Salut les amis. Alors voilà ici donc. Alors j'ai pas tout filmé. Je vais voir si je peux mettre les autres vidéos ensemble. Enfin les deux petits morceaux de vidéos que j'ai fait avant pendant la détection. Donc je vous montre déjà ici donc les 5 centimes. Alors voilà. Donc c'est là ce que j'ai trouvé en premier. Alors si jamais donc je suis en train de filmer avec une petite caméra que je me suis permis de l'acheter et donc je vous montre la suite. La suite, on va partir sur les 10 centimes là. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais être fort dans le filmage maintenant que je peux rapprocher. Voilà, 10 centimes. Je vais pas essayer de faire trop long. Voilà. Je suis déjà content qu'on arrive bien à filmer ça, donc. Ensuite, une 20 centimes de 2002. Voilà. Celle-là, je pense que je pourrais la récupérer encore. Alors, encore une 20 centimes. Je suis content avec cette petite caméra, mais par contre je suis un peu débutant parce qu'en fait je voulais filmer dans les champs, enfin j'ai fait un petit peu. Je verrai après si je peux, si je vais réussir à mettre les trois petits morceaux de vidéo, donc les deux petits morceaux plus celle-là. Et puis en l'allumant, j'ai touché le bouton qu'il fallait pas, et puis en fait ça me donnait comme s'il y avait un problème. Alors, j'ai pas, je me dis laisse tomber, allez on laisse tout tomber, on arrête de filmer, puis donc voilà encore une 20 centimes. Puis ici l'autre côté donc. Alors ensuite encore une 2 centimes 1850, mais celle-là la pauvre elle a bien bouffé quoi. C'est bizarre parce que donc je suis allé au communal de la Seine, donc pour ceux qui connaissent et qui ont sûrement déjà vu des autres vidéos qui parlaient de communal de la Seine, donc ben, je suis retourné encore une fois. Je me disais que c'est sûrement pour le beurre, mais voilà, je suis quand même content. Voilà. Alors ensuite, une pièce ambiant. Je pense que ça doit être une pièce fribourgeoise, si je me trompe pas. Mais ce qui reste donc. Hein. Je vous dis, j'ai la petite motte là où elle était, j'ai droit, je l'ai pris avec, et puis. Parce qu'il y avait plus de presque plus de matière dans la petite motte que dans la pièce quoi. Voilà. Malheureusement, elle n'est pas entière quoi. Hop là, désolé. Donc voilà, il faut encore que j'apprenne un petit peu les mises en point. Ensuite, ben, mon troisième dé à coudre. Donc voilà. Sympa. Ouais, je pense qu'il est pas très vieux, il est déjà bien usé quoi. Voilà. Ici, alors il est très fin, il est coupant même. Ensuite, alors une boucle de ceinture, donc pas très vieille alors celle-là, mais je tenais à vous montrer quand même parce que ça klaxonnait tellement fort dans les oreilles que je me suis dit bon bah ça je vais choper encore une petite boîte en alu, et puis en fait non, bah c'est ça, bah, voilà, je l'ai pris et je l'ai mis dans le sac. Alors ensuite deux petites cloches, enfin le truc qui va sonner, qui fait les cloches des vaches, donc ici il y a juste la boule, c'est de matière de cloche, donc là je pense que c'est en fer. Et puis ici encore un autre, mais très sympathique parce qu'elle est très petite, vraiment petite hein. Si on met déjà à côté de celle-là, on voit la différence. Voilà,
Et puis alors je continue, enfin je vais les mettre là, voilà, une, deux et trois balles. Donc pour les connaisseurs, je suppose que ceux-là, ces balles-là, ils sont venus juste après les balles de mousquet, je suppose. S'il y a quelqu'un qui peut me renseigner, ça serait sympa. Et ici, mini balle de mousquet aussi, voilà. Mais je suppose que ça, c'était premier, puis ensuite ça. Sûrement dans l'histoire des balles. Puis ça ici, bah, c'en est une aussi. Je me dis, tiens, un coquillage qui sonne. Hein, vu comme ça. Et puis en fait, bah, pas tellement, puisque de ce côté, bah, on voit bien. C'en est une qui a bien morflé, la pauvre. Elle atteint en tout cas un caillou, c'est sûr. Alors, il y a deux petits objets que je vais vous montrer. C'est ça. Est-ce que quelqu'un en aurait une idée ce que c'est, quoi? Que j'en ai déjà trouvé, hein, même pas mal, les débuts de ma carrière de détectoriste, si on peut le dire comme ça, et je ne sais pas ce que c'est. C'est très léger. Est-ce que c'est de l'alu? Je pense que c'est de l'alu, des coulures d'alu, mais bon, dans la forêt, voilà, encore une fois, c'est la question, question pour un champion, non? Voilà, alors, encore une fois, une claque. Cette fois, je ne dois plus vous dire les chiffres. Hein. Ben, on le voit bien. Hein. Là, ça aussi, ça sonne comme du... comme pas deux, quoi. Ça tape dans les oreilles. Alors, un petit bouton. Bon, ben, c'est pas très vieux, ça. On a lu, ça aussi, ça sonne bien. Mais vu les mélanges qu'on entend dans le détecteur, ben, forcément, on se dit que c'est pas ça. Ça aussi, j'ai cru que c'était un bouton, mais non. En fait, non, il n'y a pas de trou, rien du tout. Mais ça ressemble à celui-là, donc, hop là. Et puis, il y a eu ça, voilà, plaqué or, hein. Mais oui, j'ai fait un petit peu d'or, et qui était juste à côté de ça. Et oui, c'est une petite montre de poche, une montre, tout court, une montre tout court avec un bracelet, bien sûr. Voilà, mais alors là, on voit rien du tout. Elle est très petite, hein. Gardez mon doigt. Oui, bah oui, si je proche trop, ça va pas aller. Voilà. Elle est pas en or, malheureusement. Là, on voit bien qu'elle est plaquée or. Voilà, ici, cette partie-là, on le voit. Là, ici, c'est noir, c'est noir. Dommage, dommage, dommage. Bon, là, je suis en train de m'endormir. Je suis quand même fatigué. J'ai quand même fait... Allez, d'une heure à 6 heures. Bon, une heure partant de la maison et puis 6 heures en arrivant. Et ici, l'objet étrange. Alors, on va voir si j'arrive à faire la mise au point. J'ai déjà testé un petit peu avant, mais je n'ai pas tellement réussi. Hop, on s'approche un petit peu. On cherche un peu la lumière. Voilà, c'est bizarre, ça fait un peu comme des fleurs. J'ai pensé tout de suite en première vue donc un plan de sac, mais non, parce que là c'est étrange. Il est lisse, très lisse. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais la poser. Et je vais m'approcher un petit peu. Voilà, hop là. Ça ne le fait pas toujours. Allez, fais la mise au point. Voilà. Voilà, je sais pas ce que vous. Si quelqu'un a une idée. J'ai aucune idée, quoi. Et puis pour finaliser, une petite pièce en argent quand même. J'ai réussi à la faire une. C'est une 50 centimes, donc de 1943. Comme d'habitude, hein, l'argent, hein, est nickel. c'est pas le cas de le dire. Elle n'est pas vraiment nickel, mais c'est de l'argent, quoi. C'est tout court. Elle est très, très belle, comme d'hab. Cette 50 centimes, à part une que j'ai eue un petit peu légèrement tordue, mais en tout cas, le reste, ça se voyait nickel. Hein. Voilà, c'est super. Ben voilà, alors... Peut-être la prochaine sortie, je reprendrai la caméra avec et puis
J'essaierai de filmer ça comme il faut. Voilà, on va finaliser tranquillement. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et à tout bientôt pour des nouvelles aventures de Mr. Joe Black 67. Qui souhaite à tous un bon week-end, mes abonnés et à tous ceux qui apprécient peut-être pas forcément mes vidéos parce que je suis pas terrible. Maintenant que j'ai ma petite caméra, peut-être que je vais y arriver à vous faire des belles vues, des bonnes choses et vous offrir des belles trouvailles si je trouve, bien sûr. Voilà la petite pièce ambiante, quoi. Allez, ciao, ciao, bon week-end à tout le monde, bye bye, bye bye, ciao, ciao.